Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la boutique SKC. Merci de me retrouver pour un plan with me. Cette semaine, un plan with me très estival. J'avais très hâte de préparer ma vue mensuelle du mois de juillet. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, tout simplement parce que j'adore les couleurs du kit. Ça sent bon les vacances et peut-être que j'ai très envie d'être en vacances aussi. Alors du coup, j'avais très envie de l'utiliser. Donc je vais vous montrer déjà ce qu'il contient. Alors ça c'est une planche de stickers transparents, hein, type washi tape. Alors ça n'a pas la texture bien sûr du washi tape, mais vraiment ça on en a la même utilité. On a ensuite un petit bloc, un petit pad de stickers que je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Qui est très coloré, qui est très sympa. Donc c'est de chez Mambi. Voyez, pour l'été, je crois que c'est l'idéal. Il est assez fourni, hein. Je ne sais pas exactement combien de pages il y a. Je ne sais pas combien de pages il y a, mais apparemment il y a 35 stickers. Ça me paraît. Ça doit être ça. Ça doit être 35 stickers parce qu'il n'y a que 20 pages. Donc il y a des stickers qui sont larges. Hein, pour ceux qui ont un appui planeur, ça correspond à deux cases. Là, c'est deux stickers pour une case. Quand même l'impression qu'il y a un peu plus de 35 stickers dedans. Mais bon, peut-être que je me trompe. Voilà pour ça. Ensuite, on a une planche de tampon clear. Voilà. Qui a des petites fleurs, j'adore. J'adore, j'adore. Un bloc-notes que vous pourrez donc qui est décoré sur le haut, hein, que vous pourrez customiser et puis coller, redécouper. Comme vous le souhaitez pour l'utiliser dans votre planeur. On a ensuite, je vais vous montrer le mien qui est ouvert. On a ensuite des planches de stickers de chez Simple Stories. Et là, c'est l'été, hein, il n'y a pas de doute. Donc des petits mots, et des décos, des petites cases encore. C'est des bandelettes, hein. Des petites bandelettes de mots, de motifs, des petites étiquettes. Ah, j'adore, j'adore vraiment les couleurs de ces planches. Je crois que l'été dernier, j'ai dû utiliser aussi des stickers de chez Simple Stories parce que vraiment, je trouve que l'été, ils font des trucs super colorés, plein de peps. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai envie quand arrive l'été. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire partager ça. On a ensuite toujours des petits die-cuts de chez Simple Stories, mais d'une autre collection. Je crois que les stickers sont de la collection Hello Summer. Et les die-cuts, ça doit être... Ah, Good Vibes, je crois, j'ai un doute, mais en tout cas, c'est une autre collection assez estivale aussi et assez colorée. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Voilà, donc les die-cuts, hein, sont un petit peu différents selon les kits. Et on a un trombone, donc avec une petite décoration en silicone un peu qui est très sympa. Donc je crois que selon les kits vous avez soit une petite glace soit un verre à cocktail ou à limonade. Bon, on est toujours dans le thème estival. Voilà, donc moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais préparer la vue mensuelle du mois de juillet parce que ça arrive bientôt et qu'il est temps de commencer à se préparer. Donc, je vous dis à tout de suite.
Je ne sais pas si j'avais abordé ce point. On m'a demandé comment je fais pour m'organiser, sachant que je n'ai pas décoré à l'avance mes mois. Eh bien, tout simplement, moi, je prépare mes vues mensuelles environ une semaine et demie avant que le mois ne commence. Donc, je les décore à ce moment-là. Et en attendant, quand j'ai des choses à noter, je prends des sticky notes, en fait, tout simplement, que je récupère dans les kits et compagnie. Donc, je prends des sticky notes, je les positionne quand j'ai quelque chose et au moment où je décide vraiment de décorer ma page, ma double page, je les enlève et je remets ça au propre, en fait. Hein. Concrètement, c'est un brouillon, quoi, c'est mon brouillon. Voilà, je fais pas plus longtemps à l'avance parce que j'aime vraiment que mes vues mensuelles correspondent à mon état d'esprit du moment, aussi à la saison. Hein. Donc forcément, là c'est l'été, bah, j'attends d'avoir des produits dans le thème de l'été pour pouvoir faire mes mois. Donc c'est pour ça que je ne les fais pas à l'avance. Et pour autant, bah, forcément, j'ai des choses qui viennent comment dire, se caler très très longtemps à l'avance. Donc voilà, moi c'est le système que j'ai trouvé. Maintenant, je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. Moi, ça me va très bien comme ça. C'est ce qui me convient en tout cas. Voilà, donc on va passer à la déco. Constater, c'est très coloré, c'est très estival. J'aime beaucoup les couleurs de ce kit. Encore une fois, je le redis, je suis très contente de l'avoir utilisé. Je vais vous montrer de plus près. Alors, l'idée, moi, c'est qu'à chaque fois, je mets des petites étiquettes justement pour noter les rendez-vous qui sont déjà prévus. C'est là où j'avais mes post-it, hein, donc c'est des choses qui sont déjà prévues. Et je ne charge pas trop. Parce que je sais que forcément je vais avoir des choses que je vais devoir noter, des choses qui vont se prévoir à la dernière minute, qui vont venir se rajouter un peu au fur et à mesure. Donc je me laisse de la place dans mon mois justement pour pouvoir rajouter ces choses-là, quitte à au moment où je note un rendez-vous, rajouter un ou deux stickers autour pour rajouter, mais pour compléter la décoration, mais je préfère dans un premier temps ne pas trop en mettre pour pouvoir laisser les choses un peu plus claires et vraiment pour être sûr d'avoir de la place de fixer, de noter mes rendez-vous par la suite. Voilà. Donc j'espère que ce kit vous a plu, que cette vidéo vous a plu aussi. Donc si vous le souhaitez, le kit est disponible en boutique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt parce que ce kit, je peux vous l'assurer, je vais l'utiliser jusqu'au dernier et je compte bien vous en faire au moins une autre vidéo. Donc je vous dis à très vite.